Salut à toutes et à tous, c'est Rastan Manga, j'espère que vous allez bien et pour ma part, ça va vraiment très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais vous parler de mes projets et on va faire un tout petit récapitulatif de cette année sur la chaîne, sur ma chaîne YouTube. On va commencer d'abord par le récapitulatif, donc par le passé et ensuite on parlera du futur et non du présent. Donc cette année a été vraiment pas mal sur la chaîne, donc on a réussi à atteindre l'objectif des 1000 abonnés. J'ai eu quelques petits problèmes donc avec le fake d'Akata, avec les gens de Julio.com, avec un masse de dislikes. Voilà, il y a eu quelques petits problèmes qui m'ont gêné par-ci par-là. Ensuite, il y a eu un peu le manque de vues, le manque de commentaires qui m'a parfois un peu même découragé et qui, au bout d'un moment, m'a fait littéralement fait péter un câble. J'en pouvais plus. Donc ce que j'ai fait, la raison est simple, j'ai fait une pause sur la chaîne et depuis que j'ai repris, et ben ça a empiré. J'ai fait encore beaucoup moins de vues, beaucoup moins de commentaires et beaucoup moins de likes. Et là en ce moment je suis un peu déçu, mais faut que je reste vraiment positif. Mais sinon l'année était bonne, ça a été présent de commentaires. J'ai eu beaucoup de retours positifs sur mes dernières vidéos et tout ça. Et je vais continuer dans cette longueur d'onde et je vais encore m'améliorer. Et peut-être que c'est vacances-là, donc je vais m'arranger, mais je vais essayer de me trouver un petit job d'été pour travailler et pour m'acheter une caméra parce que la qualité du micro est dégueulasse. Et la caméra, enfin, la qualité visuelle aussi est dégueulasse. Mes projets pendant ces vacances d'été, donc vous aurez pas mal de vidéos, mes lectures manga, présentation manga, découverte manga, des flops, peut-être des coups de cœur si j'en ai, j'espère que j'en aurai. Parce que là, je vous explique les amis, ça fait au moins 2-3 semaines que j'ai pas acheté de manga. Déjà, je devais préparer le brevet, donc oui, j'ai passé le brevet hier et avant-hier, donc c'était pas trop difficile, ça va, j'étais assez content de ce que j'ai fait. Et bah aujourd'hui c'est mon anniversaire, voilà, j'ai 16 ans, je suis content. Et je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité joyeux anniversaire, que ce soit en SMS ou en message privé sur Facebook ou Instagram, ou sur mon mur Facebook ou sur ma page Instagram. Merci beaucoup à vous. Ensuite, je compte faire beaucoup plus de vidéos parce que là je me contentais de faire une vidéo tous les dimanches, je vais essayer d'en faire au moins 2 par semaine. Je sais que ça va être compliqué, je sais pas si je vais réussir à tenir ma promesse, donc je vous promets rien. Franchement les amis, je vais essayer. Cette année j'ai obtenu 2 nouveaux partenariats, donc même 3, un avec Nanachi, donc je les remercie vraiment. Donc ils m'envoient des mangas en version numérique, j'ai déjà fait 2 vidéos sur 2 mangas, donc My Destiny et Ingen. J'ai aussi faire un partenariat avec l'entreprise américaine Tokyo Gacha World qui s'occupe de créer des gachapons qui viennent du Japon en fait. Et c'était vraiment what the fuck, que j'avais pas compris le délire du truc, mais voilà, c'était vraiment marrant. J'ai vu que cette vidéo vous avait plu, donc j'avais demandé à Tokyo Gacha World qu'il me renvoie un autre colis pour refaire un unboxing, et ils m'ont dit non, on a plus beaucoup d'argent, donc on va peut-être arrêter là. Ils m'ont pas dit ça comme ça, mais ils m'ont fait comprendre qu'ils avaient beaucoup trop de partenariats, ils avaient pas assez d'argent pour m'envoyer le colis, sachant que j'habite en France, d'habiter aux États-Unis, et donc forcément pour envoyer un colis ça va coûter très cher. Ensuite je vais peut-être partir à la Japan Expo cette année s'il n'y a pas de problème, donc je suis vraiment trop content. Ça va être la première fois de ma vie que j'y vais. Et je vais acheter pas mal de choses, des mangas, toutes les séries que j'ai en retard, je vais essayer de toutes les rattraper, voilà. Je compte sur vous, si je vous vois, que vous me disiez un petit bonjour ou bonjour Aster. Et j'ai un autre projet, donc avec 2 amis youtubeurs, on compte faire un vlog à Lyon, donc si tout se passe bien, si tout se passe bien, il n'y a pas de problème, ça se réalisera au mois d'août, donc on vous présentera les boutiques manga à Lyon, donc comme les mangas, Super Joseph,
Je vous en dis pas plus, je vous laisse la surprise. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'est avec qui? Donc c'est avec Ultimate Manga et Mina Readbook. Donc je vous invite à aller voir leur chaîne, c'est vraiment des chaînes super cool. Et on a atteint le stade des 1000 abonnés cette année, je suis vraiment très 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 content. J'ai enfin réussi. Donc en ce moment, je stagne un peu entre les 20 et les 30, je sais pas ce qui se passe. Et je compte sur vous vraiment pour que vous soyez là en commentaire pour m'encourager et pour me motiver. Et les amis, si cette vidéo fait des bons pronostics, je sortirai sans doute une vidéo demain. Sur ce, je vous remercie encore une fois, vous êtes des gens vraiment géniaux. Merci infiniment pour tout ce soutien que vous m'apportez. Ça m'encourage à aller plus loin, que ce soit dans la vie active ou sur YouTube. Merci beaucoup les amis. Sur ce, likez, partagez, abonnez-vous, commentez. Salut Nala!